Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on livre la moto au gagnant comme prévu. Regardez, venez voir ça avec moi. Les amis, on l'a installé, vous n'êtes pas prêts. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000. Et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo quand même, si vous voulez qu'on en refasse gagner. Mais c'est pas prévu pour l'instant, hein. On réfléchit à de meilleures stratégies. Regardez les amis, je suis un petit peu triste, la derby est installée. On a mis tout ce qu'il fallait, en vrai ça rentre plutôt bien. On va regarder derrière. Hop. Regarde, viens voir comment on a chargé la magnifique monture à l'arrière. Franchement, elle passe bien. Elle rentre bien, elle rentre nickel. Donc voilà. Les amis, on va direction chez le gagnant. On va aller lui livrer. Je vous mets un petit peu de route, on se fait des petits passages comme ça. On a 2 heures de route, on arrive chez le gagnant, on fait la livraison et on voit comment ça se passe, quoi. Voilà. Les amis, très bonne vidéo à tous. Dites-moi ce que vous en pensez de la réaction du gagnant en commentaire. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut mec, ciao. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. Appel de la banque, paiement refusé. Sorry. Brandon, damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to. Bon les amis, c'est lui. On y va. On arrive chez le gagnant là. Après, bon, on s'est un petit peu trompé de route, mais ça va aller. On est arrivé. Hop. Ah ouais, non, il y a pas la carte. Hop. Ça monte quand même. Regarde le paysage. Franchement, c'est plutôt sympa Paris. Hein. Ça va, il fait beau. Ouais, ça monte quand même. La moto là, les deux portes arrière elles vont s'ouvrir. Et il fait l'embrayage dans 2 semaines là. Skatepark, ah mais c'est ici. Ok, normalement là ça enregistre les amis. C'est parti. Putain, c'est pentu hein. Venez avec moi, on va aller à la rencontre du gagnant. Salut. Ça va? Ça va. Enchanté. Eh, ça monte ton village là, il monte hein. Ah bah ouais hein. Enchanté, ça va? Bah ça va nickel. Bah, je pense que ça peut que aller. Hein. Bah, si ça va, prof, c'est vraiment qu'il y a un problème. C'est vraiment qu'il y a un problème. Ouais. Putain, t'as pris ton casque et tout, c'est stylé. Ouais, c'est mon père, il m'a dit. Hein. Ah bah ouais. Ouais, il va bien. Normalement, il va bientôt arriver. Bon, bah ça va. Faut que je passe un coup de fil après pour mon pépé, du coup. S'il voulait être là. Dac. Donc voilà. Bah vas-y, pour ceux qui te connaissent pas, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as quel âge? J'ai 15 ans. Je suis en CAP maçonnerie et je m'appelle Ryan. Voilà. Et tu viens d'avoir le BSR, c'est ça? Ouais, je l'ai passé, ouais, en février. Ouais. Donc ouais, récemment. Et t'avais le projet d'acheter quelque chose ou... Ouais, je devais m'acheter un scooter, mais après, voilà, après il y a eu le concours et puis voilà. Donc vraiment, ouais, là, sûr. Ça m'a sauvé, parce que de base, je voulais une bécane à vitesse. Ah ouais? Donc là, ça m'a sauvé, vraiment. Ok, bah écoute, bah c'est cool. T'as participé beaucoup de fois? Ouais, 6 fois. 6 fois, c'est ça. Au début, j'y croyais pas vraiment. Ouais, après, quand je t'ai appelé. Ouais, voilà. Bah, c'est sûr. Jusqu'à que tu m'appelles, hein. Non, bah, c'est sûr. Putain, c'est con, on l'a garé comme ça, mais si on ouvre la porte. Après, tu peux t'installer là-haut, c'est un petit parking. Bah, c'est cool, la derby, franchement, là, t'as. Ah, là, t'es calé. Ah, je suis bien. Tu vas voir, tu vas monter dessus. T'as déjà roulé avec une bécane à vitesse ou pas? Non. J'ai déjà poussé une bécane. Poussé une bécane? Je l'ai juste poussé parce qu'elle démarrait pas. Démarrait pas? Non, mais tu vas voir, c'est facile à rouler. C'est... Surtout si t'as eu le BSR. Là, t'as de la chance quand même, on va dire. Ouais. Là, t'auras pas d'emmerde. Bah, après, c'est pas la même chose, hein. De bécane à vitesse, scooter, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose, mais vraiment, tu pars avec une bonne base. Quand je t'ai appelé, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, vraiment, en fait, au début, je vois le numéro privé, je fais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que des fois, il y a trop des petits là, ils aiment trop m'appeler en mode ouais, ta soeur s'appelle machin. Oh, des fois, ça me prend la tête, c'est pour ça que je répondais pas. Ouais. Après, quand j'ai eu les messages, ouais, au bout d'un moment, c'est bon, j'ai à répondre. Comme ça, c'est fait et puis voilà. Puis on t'annonce la nouvelle. Ouais, bah alors là, j'étais vraiment content. J'étais clairement dans mon lit. Je fais putain, quelle journée de merde, nanana. Et après, tu m'appelles. Bon, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah c'est bien. Bah là, ça va être galère un petit peu pour toi de rouler vers chez toi comme ça, avec que des montées. Bah après, ouais. Va falloir apprendre à faire les démarrages en côte. Mais oui, non, mais t'inquiète. De toute manière, c'est pas très dur. Je te montrerai, on essaiera là sur le parking de t'apprendre à passer la première à la deuxième. Ça pourrait être cool. Mais ouais. Bon, bah, t'es prêt à la découvrir? Parce que là, on va ouvrir la porte et. Ah, bah, ça va faire bizarre parce que je la connais qu'en vidéo. Ouais. En vrai, je sais pas si c'est la même. Ah, c'est. Bah, si, c'est la même. C'est la même, mais. Elle a pas changé de couleur. Tu la vois comme ça. Et puis, regarde. En plus, c'est bien, on a tout pour la présentation. C'est super, ça commence bien. Ta nouvelle moto. Oh là là.
Ouais, tue sa mère. Voilà. En vrai, vraiment, c'est pas du tout la même en vrai. Hein. C'est grand, hein. Ouais. C'est pas un scooter, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment pas un scooter. Mais voilà. Je t'ai mis toutes les pièces, tu vas voir, je vais te montrer ça après. Ouais. Toutes les pièces, bah voilà. La derby. Ouais, après, ça, c'est pas moi, je vais m'en occuper des pièces, ce sera plus mes potes si on doit changer des trucs et tout. Bah, normalement, t'as rien à changer. Bah, ouais. Après, elle a été bien entretenue, donc vraiment, y a rien à changer. Ah là, y a rien à changer, là, tu peux aller faire des kilomètres sans t'arrêter, y aura pas de soucis. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, bah ça va être ta première expérience en vrai. Ouais. Mais voilà. 16 000 km, tu peux. Ah, 16 000, ok, ouais. Tu peux aller jusque. Si t'as des bécanes, elles ont 28, 30, ouais. 35. Mmh. Tu peux en faire beaucoup, beaucoup. Moi, dis-toi, j'en ai fait que 5 000 en 3 ans. Donc c'est pas beaucoup. Elle a pas roulé du tout. Mais voilà. Pas de consommation, voilà. Si juste tu veux faire un petit projet rénovation sur le pot, ouais, tu pourras ça te faire sera un kiff. Plus pour le pot, moi. Ouais, tu pourras te faire un kiff de refaire le pot. Mais sinon, voilà. Bon bah je pense qu'on va te la décharger puis ok. Puis on va essayer ça. Casque, hein. Bah ouais, pose ton petit casque. On va décharger ça, mais ouais. Hop. Ouf. Tac. Oh, j'ai vu que ça a été une galère pour la changer. Pour la charger? Ouais, pour la charger, ouais. Ouais, c'est lourd. Donc l'équipe c'est lourd de... tout seul. Du coup là je t'ai mis un carton avec ouais, les pièces. Ouais. Donc t'auras toutes les pièces, t'as la ligne d'origine, t'as les rétros d'origine, ouais. T'as une chaîne et quelques bougies. Bon, okay. C'est les trucs classiques, quoi. Bon, ça va qu'il pleut pas, hein. Ouais. En fait, j'avais regardé la météo et tout, parce que, ouais, rouler sous la pluie, c'est pas ouf. Ah non, rouler sous la pluie, c'est pas ouf. Ça m'a dit que ça pleuvait, j'ai fait, ah ouais, non, ouf. Ah ouais, quand même. Mais ouais, non, normalement. En vrai, là, ça va, on a de la chance. Non, là, ça va, on a de la chance. Puis ça va, c'est Paris, mais il y a un petit spot, donc c'est tranquille, c'est tranquille. Bon, bah, on va aller désangler ça. Hop, allez. Vas-y, ouais, je la tiens. Normalement, elle bouge pas. Ouais, c'est bon. Bon les mecs, c'est définitif, elle m'appartient plus. C'est la fin de la derby et de ces 3 années avec. Bon, c'est triste. C'est qu'on repartira vite que ça me fera un petit pincement, mais voilà, on voit qu'elle repartira dans de bonnes conditions. On espère que ça se passera bien. Et voilà, on verra s'il y a des petits réseaux sociaux pour aller suivre directement la personne, pour voir les aventures. Mais voilà. Normalement, je vais pas tomber. J'ai fait ça toute ma vie. Ah, ça se voit. Et voilà. Hop, sur béquille. Bah félicitations. Ah bah merci. Voilà ton bolide. Elle est incroyable, hein. Ah, c'est pas du tout. En vrai, j'ai l'habitude de la voir en vidéo. Ouais. Mais quand je la vois comme ça, vraiment. Ah, en vrai, elle a pépite, son petit charme avec ses petits liserés et tout. Elle a son petit charme. Elle a son petit charme. Je te dis, c'est pour ça que j'ai pas mis de kit déco. C'est ouais. Parce que je la trouvais belle comme ça, en fait, jolie comme ça. Ouais, elle est incroyable. Sans trop de modifs. Ouais, non, franchement, pas mal. Mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est magnifique. Ah vraiment, elle est magnifique. Tu es content avec ça? Ouais. Ah, quand je vois des potes avec des épaves, vraiment, je vois. Ah ouais, là, c'est pas une épave. Hein. Ah là, vraiment. Là, y a pas de soucis. Ah, j'avais un pote à un moment, il vient au lycée. Il perd le pot. Ah ouais? Ouais. Un autre jour. Bon, il l'a retrouvé. Un autre jour, il revient. Je le vois. Poto, il manque ta plaque. Il fait, ouais, c'est ça. Vas-y, va regarder, s'il te plaît. Et y a plus de plaque. Plus de plaque. Oh, yeah, yeah. Alors, voilà, sa moto, elle avait rien d'origine. Elle était pas homologuée. Ah ouais? Vraiment, une moto. Ah, là, au moins, tu gardes un véhicule d'origine. Homologué, t'as pas de soucis avec la police. Ouais. Et puis niveau entretien, t'as rien à faire. T'as rien à faire. Tu remets que de l'essence, tu vérifies une fois par mois qu'il y a de l'huile. Ouais. Mais sinon voilà, pas de perte d'huile, rien. Ouais. Tranquille. Juste un petit coup de nettoyage parce que moi c'est la campagne, hein, c'est pas la ville. Bah assis-toi dessus. Hein. Prends place. Hein. Ah ça va. Ah vraiment. À tout moment, j'explose. Comment ça s'appelle? Un clignotant. Un clignotant. Ah ouais. Oui, bah oui, tu lèves bien le plié, mais c'est bon. Wow. Oh, première fois que je monte sur une bécane, hein. Alors, embrayage, frein avant, frein arrière. Ouais. Et vitesse. Et vitesse. C'est ça? C'est ça, exactement. Là, t'as le double des clés, faudra que t'enlèves une clé, que tu la gardes dans les documents. Ouais. T'en gardes une. Ok. Voilà. Okay. Je te conseille pas forcément de mettre un porte-clé, sinon tu vas rayer tout ce qu'il y a autour. Ah, ok, j'en avais gardé un exprès là que tu m'as mis. Ouais. Ah, bah oui, après le 50 Factory, c'est bien, c'est qu'il va pas te rayer. Ouais. Mais genre, tu mets pas un gros porte-clé. Mais... Ok. Mais voilà. Elle tourne au mélange ou pas? Non. Ou bah c'est non. Séparé? C'est pareil, il y a de l'huile dedans, okay. Donc tu fais ton appoint d'huile une fois par période, enfin moi honnêtement c'était une fois par trimestre, une fois tous les 3 mois tu remets un petit peu d'huile, ouais. Et sinon juste tu vas à la pompe,
tu fais ton plein de 98. Ouais, et 98, c'est tout. Okay. Et c'est tout. T'as pas besoin de te balader avec ton sac ni rien. L'huile, elle se met où? L'huile, elle se met sous la selle. Sous la selle, ok, donc c'est un compartiment séparé. C'est un compartiment en dessous de la selle. Ok. Et tu viens mettre de l'huile dedans, c'est tout. Ok, ok. Mais voilà, à part ça. Donc il n'y a pas de dosage. Pas de dosage. Tu remplis. Tant que ça déborde pas, c'est que c'est bon. Voilà, t'as un petit trait, tu mets juste au petit trait, puis voilà. Ok. Et sinon, bah c'est tout, bah regarde, tu peux la démarrer. Il n'y a pas de vitesse. Oh, tu sors le kick. Oh vraiment? Mais ça va démarrer tout seul, t'inquiète pas. Regarde. Vas-y, mets un petit coup de gaz quand même quand elle démarre, je pense. Okay. Et normalement elle part. Voilà. Elle est démarrée. Ouais, regarde. Ouais. Vas-y. Tu peux la redémarrer, faudra juste. Elle tient pas trop le ralenti. Voilà. Voilà. Elle est incroyable. Ça va, ça fait pas trop de bruit, hein? Non, elle est trop bien. Ça fait pas trop de bruit. Ah vraiment, elle est incroyable. Bah ça fait plaisir. Ça fait ah plaisir. Putain. Voilà. En plus tu peux mettre un passager. Ouais. Il y a les cale-pieds, il y a tout ce qu'il ouais, faut. Ouais, il y a tout. Il y a tout qui va. Il y a aucun souci. Ah putain, elle est incroyable vraiment. Ouais. Là t'as ton petit rétro, donc c'est soit à ta guise, soit tu gardes celui-là, ou soit tu remets les deux d'origine. Ouais. T'as les fixations pour remettre ceux d'origine. Ok. C'est comme tu veux. Ça ouais. Bah je vais en garder qu'un seul en vrai. Hein. Bah en vrai oui, tu peux en garder qu'un seul. Bah moi j'aime bien celui-là parce que si tu fais des photos, tu viens le replier comme ça. Ouais. Pour les photos c'est propre. Ouais. Oh, elle est incroyable. Mais vraiment, l'avoir en vrai et en vidéo, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Hein, boys. Y a pas trop d'autres choses à te dire, c'est classique. Elle est incroyable, vraiment. C'est 50. Y a rien. Bah ouais. Y a rien de plus. Hein. Mm. Maintenant, y a plus qu'un. Faudra apprendre et puis voilà. Ouais, bah de toute façon, ça s'apprend. Hein. Ouais, ça s'apprend. Non, bah oui, ça s'apprend. Mais bon, une fois que t'as appris, franchement. Bah, après, ça part tout seul. Ouais, non. Ouais, c'est. C'est pas compliqué. C'est comme un vélo. Ouais, c'est un petit peu plus lourd qu'un vélo. Il manque juste les pédales et. Ouais, j'ai plus que les pédales. Mais non, mais voilà. Mais ouais. Et pour la remettre sur béquille, bah c'est pareil. Soit tu mets la béquille. Regarde, tu peux la mettre. Ouais. Hop, tu la mets. Tu la penches. Hop. Et toi, tu viens lever ta jambe. Hop, voilà. Et voilà. Ah, c'est bon, tant qu'elle tombe pas, c'est bon. Et voilà. Ah putain, incroyable. Hein. Ouais, un petit coup de propre et elle est parfaite. Ouais. Non, franchement, voilà. Tes potes ont des 50, c'est ça? Ouais, bon. Elle roule pas, quoi. Elle roule pas, mais de base, ils t'apprendront à rouler avec. Bah, ouais. Voilà. Ouais, vraiment, ouais. C'est que sur eux que je peux compter et mon père en plus. Bah voilà, non, celui mais après, il en a fait étant jeune. Ouais, mais y a rien. Vraiment, honnêtement, y a rien de trop dur. t'apprendras facilement, c'est tout. Oui. Mais voilà. Après, il faut pas un mois pour apprendre, je pense. Non, mais même là, tu vas voir. On va essayer, tu verras, c'est pas très dur. Ah, vraiment, là, je suis vraiment content. Hein, là, vraiment. Ah, pour que j'attende vraiment une heure ici, c'est vraiment que ça valait le coup. Bah voilà, t'as ta petite moto. Tu comptes faire des petites vidéos avec ou des petits posts sur Instagram, tu sais pas? Ouais, plus sur Instagram. Plus en sur vrai. Instagram? Bah voilà. Bon, on mettra l'Instagram en description si jamais il y en a qui veulent suivre la vie de la derby. Mais voilà. Voilà. Je te conseille de laisser les stickers sur le côté. Ouais. C'est les stickers d'origine. Mmh. Bah là, okay. La bécane, elle a 13 ans. 13 ans. Et tu vois l'état, quoi. Elle est bah, ça se voit qu'elle a été soignée, quoi. Elle est impec. Voilà. Tu seras pas emmerdé avec ça, quoi. Mmh. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'on va procéder au test. Papa. En tout cas, les amis, on va procéder au test. On va essayer de lui apprendre gentiment. Moi, je vais faire mes deux petits derniers allers-retours avec la moto et puis voilà. Pop, pop. C'est assez triste, hein, mais c'est comme ça. Man, I'm just